Donc pour faire un petit récapitulatif, pour l'instant, il y a un 7-2. Donc 1-1 en bot lane, donc en top lane, autant pour moi. Donc un pour le Mundo, un pour le Garen. Au niveau des junglers, la vie est plutôt bien. Et le farm, donc 107 creep pour Mundo et que 86 pour Garen, ce qui est un peu juste quand même. Donc au final, le Mundo a quand même légèrement une légère avance, on peut le dire. Vie est très très bien, elle a plus de farm que Rek'Sai et a fait deux très beaux ganks, dont un kill et une assist du coup. Le Nokral roule totalement sur le sur l'autre midlaner avec 3-0, donc il lui prend 3 kills. Et là bon, on peut pas dire que c'est de la out farm, mais à quelques creeps d'avance. En botlane, par contre, du coup, il y a 3 kills pour l'ADC des Inzagrid. Donc là, à ce niveau-là, le Lucian est vraiment, vraiment bien parti. Après, son stuff est un peu bizarre parce qu'il a pris des dégâts et il laisse tomber l'attaque speed. Alors qu'on sait tous que l'attaque speed, c'est quand même quelque chose de très important pour les ADC. Donc à voir, et puis il faut savoir qu'en late game, après Tristana, ça reste quand même très 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 fort, même si Lucian est l'un des champions, bah, est l'un des ADC top tier du moment, quand même. Donc c'est à voir. Après, on est quand même à 13 minutes de jeu, aucun Drake a été fait. Donc au niveau des objectifs, ça joue pas beaucoup objectifs, ça joue plutôt kill là pour l'instant. Ah, ça y est, Atlas est reconnecté. Salut noob. Ah, Jason, il est parti? Ouais, il est parti. Ah, d'accord. Mais Ah, mec, ça lag de ouf. Jason, il lag? Ah mais quand je regarde la partie mon gars, il y a des moments où ça freeze pendant 20 secondes. C'est pour ça qu'il est si mauvais en spectateur. En Ouais non commentateur. mais Non, là je sais c'est. pas. Hashtag trash talk, les gars. Aïe. Hashtag chiche aussi. Pas forcément Arkelos. Le crit oui, mais tu peux faire un item de dégâts crit comme L'IE est un item de dégâts crit qui fait proc le passif et augmenter See ta. ya, nerds. Oh là, attention. Oh là, il y a eu totalement. Là, c'était vraiment vraiment moche de la part des. Ils ont tenté, je crois qu'ils se sont montés à la tête le succès et du coup ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir tout dégommer. Je sais pas, drôle de l'action. Du coup ça va enchaîner sur un Drake je pense. Hein. Et du coup, comme je disais, ouais, mais il vaut mieux prendre de la vitesse d'attaque plus, bah, qui va te donner maintenant du crit parce que quasiment toutes les vitesses d'attaque donnent du crit, que de prendre que du crit avec une IE. Parce qu'au final, bah, c'est un peu comme, comme on parlait la dernière fois du build full AD de Draven, quoi. C'est pas war. Surtout qu'en plus, les items de vitesse d'attaque actuels sont quand même, faut le dire, extrêmement forts. Hein, avec les passifs, etc., qui incombent. Qu'est-ce que tu en dis de mon petit Jerem de cette. J'en dis que Nokral il a un brand. Ouais, et que ça fait mal? Et que la chiche elle est éteinte. Ah, mince. Du Ah, coup, il Jason faut. il prépare mal les trucs pour ses invités hein. Non, mais ouais, non, mais Jason, de toute façon, il pense qu'à lui, sérieusement. Oh là, oh là, oh là, Très trash talk. oh! Non, mais en plus, vous imaginez? Jason préfère partir au basket que commenter. Ce match, ce magnifique match pour vous les gars. Oh là Oh, là là pas. là là là! Ouais bon là, voilà. Quand je disais qu'il démontait totalement, Trop facile. même avec la flaque, le Vladimir, il peut rien faire quoi. Le respect est mort dans cette game, j'ai l'impression. Oh Qu'est-ce qu'il fait le Mundo là? Bon, je m'absente un peu, hein. Oh, Je vais bien devoir joué! faire la chiche. Le Mundo il est gagné 1v2!
Les mecs, c'est Mundo en même temps. Ah ouais, c'est Mundo là, ouais, mais bon. Comme quoi, le Rek'Sai est vraiment, vraiment mal dans sa game, quoi. Et au passage, au bot, bah du coup, il y a eu un kill supplémentaire, quoi. Bon, Soggy qui nargue un petit peu avec son... sa maîtrise. Mais bon, faire attention parce que tout à l'heure, ils ont quand même fait des mauvais moves d'équipe. Donc, là, ils sont vraiment bien, ils peuvent gagner. Mais c'est pas encore fini la game, hein, faut pas l'oublier ça. Au niveau des builds... Ah, la vie part tranquille, là, maintenant. Oh, la vie, elle part avec un drôle de stop. Ah, elle va peut-être faire une plaque du mort, je pense. La plaque du mort, c'est vraiment un item très très fort en ce moment, dans cette méta. Hein. Oh, le gros creep loupé, là. C'est pas très beau, ça. Oh là là. Oh là là, les dégâts. Oh les dégâts, ils sont là hein. Oh là là, il peut rien faire le Garen. Même le Garen ne peut rien faire. Alors que c'est peut-être le mieux dans sa game. Ouais, quoique on sait pas trop en fait qui est mieux dans les ours. Ah ça y est, ça commence à jouer objectif un petit peu là. Peut-être une T2 qui va tomber. Oui, la T2 va tomber là je pense. Oui, je suis d'accord que c'est fort depuis ses sorties. Ouais, mais du coup, ça a fait partie de la méta. Du coup. Hein. Ah, dommage. Troisième stack qui va passer. Mais attention, parce que là, ça grine un petit peu. Là, faudrait. A voir. Le petit enchaînement sous tour était quand même plutôt joli, ça serait passé franchement. Et que ça aurait pris le kill derrière. Bon, je suis pas sûr que ça prendrait le kill parce que la Tristana a quand même un peu de points de vie. Voilà, au niveau de la prise de la vision. Les bleus ont quand même beaucoup de vision alors que les rouges la délaissent un petit peu, c'est un peu dommage. Ah, ils ont donné le baron de la faille à... au Mundo, c'est très très intelligent parce qu'il va pouvoir push énormément. Vu qu'il est vraiment bien dans sa game, il est en 2-1-1 avec 175 de farm, il est quasiment intombable. En cas de problème, il sait très bien qu'il pourra back tranquille. Donc ah là c'est bizarre, il a arrêté de push. Ah, il a voulu compléter son item, ok. Il est back pour compléter son item pour être encore plus sûr pour continuer à push, ouais. Après, est-ce que l'héro de la faille va durer assez longtemps? C'est déjà à la moitié, hein. Voilà, ils se font victimiser de partout les ours. C'est un peu dur à suivre là, dans cette game. Hein. C'est bon, je suis revenu. Les ours se font victimiser d'un peu partout dans cette game. Là. C'est un peu dur à commenter quand même. Hein. Regardez, oh. Anenzer qui fuit là, qui fuit clairement le brand. Hein. Oh, très mauvais Z, très mauvais ça. C'est que la première là. Ouais, c'est que la première, mais les ours ils ont 1-0 d'avance. Oh là là! Le Garen qui se fait torrentage sans respect. En même temps avec le Mundo qui peut tank comme une pute. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais ça montre à quel point le Garen ça tank énormément aussi, hein. Ouais, bah là il est mal. Ouais, c'est là que tu vois à quel point il est mal quand même. Bah 1-4, hein. 1-4-0. Hein. Tout à l'heure il a trash talk du fait qu'il avait réussi à prendre le 1v1, mais. Oh.
Le crâne aurait mieux fait de garder son ulti. Mais ça va, il va avoir le kill quand même. Oh là là, les dégâts. Hervé, il aurait mieux fait de s'en aller directement et de rester en fait. Oh, il se balade là. Ouais. Ah, la dernière fois, le Nocrad n'avait rien pu faire parce que il y avait le Brom en fait qui bloquait tous ses ultis. Mais là, là c'est pas le cas en fait. Oh les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Est-ce qu'il a un ulti? Non. Le passif de Nocrad, il fait tout ça. Oh là là, ils peuvent rien faire quoi. Oh les dégâts. Ah dommage. Dommage. Ouais du coup ça fera un double kill je pense pour Atlas. Il le prendra facilement hein. Ouais. Ouais pas possible de sortir. Ah mec, ah, il l'aura pas. Sauter dessus et ah il a bien. Alors. Flash. Il a bien flash. C'est un flash bizarre d'Atlas alors qu'il avait largement le... de quoi le tuer, mais bon. Ça a permis au Brom de s'enfuir, quoi. C'est ça. Et Atlas, en termes de kill, il en aurait bien besoin, quoi. Parce que là, on peut dire que les ours se prennent une sacrée fessée, hein. Ils ont plus de 10k gold de retard à 23 minutes. Bientôt 15k, ouais. Ouais, bientôt 15k, c'est une sacrée WC, hein. C'est déjà fini? Faut que vous trash talk. Oh, ça trash talk dans le chat là! Les Insagrid ils se baladent tellement qu'ils trash talk dans le chat quoi! Oh le bâtard! Ouais, on se souvient du dernier! Ouais, le respect est mort chez les Insagrid hein! On le voit tout de suite hein! Voilà, voilà, ça va grid ou pas? Est-ce que ça va grid? Mais bien sûr que ça va grid. Oh là là, les dégâts! Là, il y a beaucoup trop d'avance. Là. Il y a tellement d'avance que même un tank, c'est plus un tank dans le tout temps. Ouais, non, mais même Lucian, il tank les dégâts là. Il peut se permettre avec la régène de vie qu'il a déjà. Là tu vois là j'ai freeze. Ouais bah Romain je crois qu'il a. Maintenant il a besoin d'un gank hein, pour essayer d'aider. Tout à l'heure il trash talkait mais bon. Oh là là, Atlas qui se fait totalement démonter. Oh bah ça surène hein. Ça surène comme des petits zizi hein, comme on pourrait dire. C'est bon, ils sont pas à 3 secondes près. Hein. Bon, j'ai envie de voir du trash talk. Ouais, moi je trouve que dans le chat c'est quand même safe là pour l'instant. Attends, faut élire le MVP de la game. Je sais pas, c'est. Ah bah tiens, dans le chat, pour qui vous votez? À part ceux des teams, parce que ceux des teams vous avez déjà voté, je pense. Mais ceux qui sont pas dans les teams, qui sont présents parmi nous, qui nous font l'honneur de regarder notre stream. Parce qu'au final, je me demande, c'est quoi le plus qui nous regarde, les teams ou les streams? Ou les viewers? Jason MVP. Oh le trash talk. Bien sûr. Faut que tu reviennes, faut que tu fasses. Voilà, et que tu reviennes. Quoi? Et là t'as retourné sur l'écran de League of Legends. Ouais, ouais. T'as une invite sur le point d'interrogation. En notification. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais je sais, c'est juste que j'étais en train de relancer le plugin Adobe.
Ah, d'accord. et Oh, que ça. l'ordi de Jason est en train de ramer, mais salement. Ouais, c'est vrai, tu parles d'un informaticien, il a même pas de matériel. C'est moi qui dis ça, j'ai pas de connexion. Non, mais là, c'est. Je sais pas ce qu'il a fait. Vas-y, rejoins-moi en spectate. Mec, j'ai réussi à faire crasher le client de LoL, tu Par vois. contre, il faut que tu changes la scène, si tu peux. Tu vois ce que c'est la scène ou pas? Il t'a rien montré, Jason. Mais non, mec, je l'ai croisé en bas. Alors, la scène, tu vois le logiciel de stream ou pas? Ça s'appelle... Ouais, non, mais je le vois, faut que je mette waiting. Ouais, waiting si tu veux. Et on va mettre une petite musique. Oh, attention. Joue à League of Legends. Voilà, ça commence à se remettre à jour. Et laisse tomber. Ah, nos crânes qui s'autoproclament MVP. Oh là là. Sais que t'as pas... On a dit de pas tout s'autoproclamer MVP. Attendez, je vais demander aux gens. Hein. Attendez, avant de lancer, donnez-moi juste le nom du MVP, s'il vous plaît. D'accord. Ah, non, Kral, t'as été MVP easy d'après les autres. Coucou, Tobel. Donc, ouais, donc du coup, c'est Brand. Ok. Donc, Brand, MVP de cette game. Oh, il a carrément annihilé le. C'est vrai, le. QNT2, QNT2, Le AMD midlaner QNT2, adverse. Moi, AMD après. QNT2. On va voir ça. Bon.